Voici un chef-d'œuvre du peintre Chen Chenghua, avec lequel il a été retenu pour la deuxième fois à l'exposition impériale des beaux-arts du Japon. Ce paysage représente la fontaine centrale de Jiayi, sa ville natale. La fontaine est au cœur du tableau qui s'intitule « Scène d'une rue en été ». Chen Chenghua est un peintre assez particulier qui n'hésite pas à intégrer à ses toiles des poteaux électriques, objets modernes apparemment sans importance. Cela peut être un accessoire des nouvelles constructions modernes ou encore un objet lié au nouveau mode de vie de l'homme. En effet, nous avons constaté que dans une grande partie de ces paysages, que ce soit à Taïwan, au Japon ou en Chine, Chen Chenghua a toujours gardé une place pour les poteaux électriques, et ceci peu importe de quel type de paysage il s'agit. Ce tableau, Scène d'une rue en été, est encore plus particulier. L'artiste a placé un poteau au centre de la toile. Puis, pour que la présence de cet objet ne soit pas trop frappante, il a peint, derrière le poteau électrique, la fontaine centrale. Devant la fontaine, il a ajouté un grand arbre de banyan ainsi qu'un autre à gauche et un troisième à droite. Cette conception avec des arbres de forme géométrique et les enclos qui les entourent est assez audacieuse. La composition est réaliste, mais elle émet en même temps une certaine originalité. Par ailleurs, Chen Chenghua a réservé un grand espace pour peindre un terrain ocre afin de traduire la puissance du soleil radieux à Jiayi. En bas, à gauche du tableau, sous le grand arbre, il y a un ombrage foncé. C'est un endroit où les gens peuvent s'abriter de la chaleur. Et puis, regardons bien. Plusieurs chaises sont disposées près des arbres. De nombreuses personnes s'y retrouvent et conversent. Depuis l'époque japonaise, la fontaine centrale de Jiayi est un lieu de rencontre prisé parce qu'elle se situe au cœur du centre-ville. On la retrouve dans beaucoup de photos. Des jeunes s'y rendent souvent à vélo et se photographient à côté de la fontaine. D'autres photos ont été prises durant des voyages de fin d'études. Parfois, les promeneurs s'arrêtent ici après un shopping haletant afin de s'asseoir. Dans ce tableau, à part les grands banyans au feuillage peint dans le style de Van Gogh, nous reconnaissons aussi quelques constructions distinctives comme par exemple l'immeuble à droite. Il s'agit d'un hôtel moderne luxueux de l'époque à Jiayi. Toujours à droite, on aperçoit aussi un immeuble d'architecture occidentale. On y voit par ailleurs un joli pylône métallique. C'était une construction phare de la poste de Jiayi. Les objets peints, comme les poteaux électriques et leur disposition, nous permettent d'identifier la scène que voulait représenter Chen Chenghua. En plus de transcrire les paysages de Jiayi avec des architectures contemporaines de la ville, le peintre a aussi réalisé un tableau intitulé « Le parc de Jiayi » en 1937, dans lequel figure un flamboyant fleuri. Les branches qui s'étirent ressemblent à des bras tendus tendrement soutenant une fleur rouge dans leurs paumes. Par ailleurs, l'ombrage est peint de façon à évoquer la voûte céleste. L'artiste y a disposé quelques grues du Japon ainsi que d'autres oiseaux. Au pied de l'arbre figurent quelques petits personnages debout observant cette scène paradisiaque. Cette approche réunissant la réalité et l'idéal dans une même scène a pris une place importante dans ses dernières œuvres. On peut ressentir ainsi les sentiments plus manifestes du peintre. Dans ses interprétations de l'harmonie idéale, on voit le sentiment de plus en plus fort qu'éprouvait Chen Chenghua envers sa ville natale ainsi que son idéalisme.